Stella ? Non. Ça doit vouloir dire que je peux entrer. Merde, foutu salopée ! C'est la nouvelle tendance déco à la mode ? C'est du funk schmuck, tu connais rien à rien. Gus Lobel est l'un des meilleurs recruteurs que j'ai jamais connu. Il détecterait le talent depuis un avion. Gus Lobel ! Pourquoi vous me regardez comme ça ? Je suis pas une stripteaseuse. Bienvenue au comité de nomination des associés. Je veux en être. Vous seriez la seule femme. Mon père est recruteur de baseball. J'ai grandi au milieu d'hommes qui buvaient, juraient et pétaient. Amenez-moi cette putain d'addition. Croyez-moi, je suis taille. Il faut que tu consultes un spécialiste. Comment tu pourras recruter ce joueur si tu ne vois pas bien ? J'ai pas besoin de ton aide. Pourquoi tu rentres pas chez toi ? Parce que j'éprouve un sentiment de responsabilité ridicule qui m'oblige à me soucier de toi. Quel âge avait Mickey quand... Sa mère est morte, 6 ans. Comment vous avez réussi à tout gérer seul ? J'ai rien géré. Faut être un lâche pour abandonner son enfant. Mais tu sais pas la moitié de ce que tu crois savoir. Ça te dirait un dîner ? Tu veux dire tous les deux ? C'est un peu rapide pour moi, mais si tu veux qu'on sorte ensemble, c'est vrai, je suis partant. Gus a du mal. Il va perdre son boulot. Je suis qu'un vieil homme fini. Il faut que tu t'éloignes le plus loin possible de moi. Alors, tu viens ? T'es complètement cinglé ! Je ne voulais pas que tu vives une vie miteuse, c'est tout. Elle était pas miteuse. Passer tout mon temps avec mon père à regarder du baseball. Pour moi, c'était une vie de rêve. Sans tourner de ce truc une seconde, je suis aveugle, tu sais. D'accord.